Yo tout le monde, c'est Nage150 pour une nouvelle vidéo en partie 2, comment avoir un TS, mais là c'est plus comment avoir un TS, c'est comment avoir un grade sur TS, des icônes. Si vous savez pas c'est quoi un icône c'est par exemple si vous avez le grade fondateur, avoir un petit F ici à la place d'un, voilà ici. On va créer des channels et voilà, c'est tout. Alors, d'une, pour créer plutôt un grade, il faut aller sur autorisation, groupe de serveur, et là, ici, vous faites clic gauche ou clic droit, non, c'est, attends, clic gauche, bah, je pense, bon, vous essayez les deux, vous faites ajouter, vous marquez fondateur, comme ça. Bah, vous pouvez, à la place de mettre fondateur, vous pouvez mettre Warner. Quoi, comme ça. Comme ça. C'est les mêmes trucs. Mais bref, vous faites OK. Là, le grade, il est créé. Mais si vous faites comme ça et si vous faites ça. Voilà, fondateur. Voilà, là, vous êtes fondateur. Mais là, il n'y a pas le truc fondateur juste à côté. C'est très simple. Vous faites pareil. Vous cliquez sur fondateur. Vous faites la petite flèche. Vous faites maintenant ça, là c'est pour fondateur. Vous faites serveur admin parce que comme ça il y a tous les commandes. Il peut kick. Alors bah serveur admin c'est ça veut dire kick, ban. Bah il peut kick, ban. Bah il peut tout faire. Par contre, si je le mets en normal, il peut rien faire. Et guess, je sais même pas c'est quoi. Voilà. Alors il y a trois trucs, ne pas afficher avant le nom et afficher derrière le nom. Ne pas afficher, bah ça veut dire ne pas afficher le fondateur, mais moi je préfère afficher. Et le troisième, je sais pas, vous faites appliquer et là c'est magique. Après de vous faire fermer ici, c'est voilà. Alors pour faire un icône, c'est très simple, vous allez sur internet, tout ça. Non, vous n'allez pas sur internet, vous faites nouveau dossier, icône. TS, voilà, ou marquer icône TS. Moi j'ai déjà les dossiers ici, mais bref, avec les trucs là. Moi c'est pas grave, on va mettre là. Après, ça va dégager. Merci, on a créé le dossier. Vous marquez icône TS, voilà, comme ça. Vous allez sur TeamSpeak icône, le tout premier. De toute façon, si vous marquez la même chose, voilà. Allez, on va prendre lesquels. On va prendre. Pourquoi pas eux? Bon, on va prendre eux, voilà. Bon, ici, vous cliquez ici. Après, vous faites download. Et là, normalement, ça va télécharger. Ça va télécharger. Voilà, c'est tellement simple. Vous le mettez sur votre bureau. Voilà. Là, il y a le dossier où vous faites double clic sur le truc. Vous mettez sur votre bureau. Après, tout ça, vous ouvrez votre truc icône. Votre dossier plutôt. Là, ici, vous faites CTRL A. Vous déplacez ici, voilà. Après vous fermez là où tu peux fermer, ici tu peux le mettre à la poubelle si tu veux. Icône, après si je clique dessus, voilà les icônes. Wesh, il n'y a rien du tout. Attendez, je vais faire une petite liste parce qu'il va y avoir du monde. Allez, à tout de suite. Re, alors excusez-moi, il y avait ma mère qui criait, mais bref, voilà. Alors bon, là il y a channel admin. En fait, c'est comme modérateur, tout ça. Server admin, mais bref, il n'y a pas. Ah mince, il n'y a pas les trucs. Bon, bref, c'est un exemple. Par exemple, vous allez sur. Vous retournez sur votre TS. Là, il y a le grade fondateur qui est créé. Vous faites autorisation, vous faites le même truc. Vous cliquez sur fondateur. Vous faites la petite. La petite flèche. Là c'est marqué icône, vous allez là, voilà, il y a le truc icône, mais parce qu'en fait j'avais essayé de mettre un essai, mais c'est bon, il va mettre en ligne. Et là normalement c'est plus icône test bureau. Icône test, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas eux. Voilà, là c'est les icônes TS pour fondateur.
Ou mettre serveur admin, hein. Allez, on est fou. Vous cliquez deux fois dessus, et là, voilà, vous avez votre icône. Après, vous pouvez quitter plutôt. Par exemple, je vous fais un exemple, voilà. Après, oui, il est là. Faites ajouter, allez. Modérateur. Faites OK. Petite flèche. Là, c'est non, c'est modérateur. Certains modérateurs peuvent faire serveur admin et normal, mais ouais, on va faire serveur admin. Normalement, c'est normal. Ah, maintenant, c'est non, maintenant. Afficher avant le nom. Là, vous faites icône. Faites mettre en ligne. Et là, modérateur, si, ici, c'est marqué modérateur. Vous faites OK. Vous cliquez ici, double ici. Vous faites fermer. Ça veut dire si je fais ça, voilà. Et Server modérateur. group assigned. Et je suis trompé. modérateur, tac. Inconnu. Ok, je m'en suis pas mis. Ça va. Voilà. Appliquer. Et voilà. Là, vous avez le modérateur plus les icônes. Et voilà. Pour créer des channels, franchement, c'est simple. Vous faites créer un canal. Ici, là, c'est permanent. Bah, ça veut être là, temporaire, ça veut dire ce qui va, mais. Voilà, semi-permanent, ça veut, je sais pas, ça veut pas, je sais pas. Et permanent, ça veut dire pendant toujours tout ça. Et on peut mettre une icône, tiens, je savais pas, par exemple, allez. Bureau, Naja, 50, fondateur, je marque n'importe quoi. Vas-y, pourquoi pas celui-là. Voilà, celui-là. Et après vous allez sur autorisation et là vous marquez bah vous pouvez mettre n'importe quoi ou je sais pas, moi je marque 1 million comme ça personne peut venir à place les fondateurs, voilà. Et là vous faites OK et Channel là created. voilà, bureau de nage à 50. Ici on peut le changer, on y fait le canal, enfin, bienvenue. Ah. FK. Voilà, on va marquer aussi. Voilà, on va mettre. Oh, il y a guest. Ou juste 2. Bah ben voilà, on va mettre ça. Voilà. Et ok. Channel edited. Voilà, bienvenue à FK. Mais là, je peux venir sur mon Channel switched. channel, tout ça. Franchement. Franchement, voilà, c'est un serveur. Hein. Et normalement, j'ai dit tout. Je suis à combien? Je suis à 7 minutes, bah, 8 minutes. Et normalement, c'est bon. Vous êtes... bah, je vous refais un exemple pour. Voilà. Voilà, vous marquez joueur. Je sais pas moi, hashtag 1 par exemple. Non, c'est pas celui-là, c'est plutôt là. Hashtag 1. Mot de passe, on lui fait une icône. Voilà, modérateur. Non, on va, puis on va mettre ça. On va faire là. On va mettre modérateur 1 plutôt. Voilà, comme ça. Modo, hashtag 1, mot de passe permanent. Et là, vous faites 1 million. Bah, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous faites OK. Et là, Channel voilà, avec created. le petit modérateur. Voilà, après, vous faites, vous pouvez créer votre tout ça. Bon, voilà, j'espère que ça vous plaît cette petite vidéo. Moi, je vous dis, abonnez-vous, marquez un like et partagez. C'était Nacha 50. Peace, prochaine vidéo. Bye bye.